y a un guéré qui était avec son enfant, et puis le guéré, la petite guéré, la vie avion. Puis il demande à son papa, « Papa, ça là c'est quoi ?» Puis le vieux guéré regarde son enfant. Il dit, « Mon fils, calme-toi. Ça là c'est comme coco. Quand ça tombe là, ce qu'il y a dedans, c'est ça nous on mange. » Applaudissez pour les guéris encore, c'est jamais. Donc voilà, il était si mauvais père Blo qui a son perroquet. Le perroquet parle beaucoup d'ethnie. Il a son cousin qui a quitté au village pour venir. Il est venu passer une semaine avec lui. Et lui, mais il a eu voyage, il devait partir à, comment on appelle ça, à quelque part pour une semaine. Donc il a pris l'argent, puis il a donné à son cousin là. Il dit voilà, manger de perroquet là, c'est 100 000. Tu payes croquette, tu payes yaourt, tu payes sirop, tu donnes la perroquet. Puis il est parti à son voyage. Son cousin a dit c'est foutaise. Moi, il prend 100 000 pour payer, moi, il pour donner à oiseau. Il va faire ça. Il a bouffé l'air là, et puis il a pris le perroquet là, il est parti vendre. Après, son cousin arrive de son voyage. Dès qu'il rentre dans la maison là, il demande à son cousin. Il dit mais. Après, demande à son cousin, il dit, mais et le perroquet? Il dit, ah, oh là, il était ici, oh là, moi, il est sorti, non? Il dit, il est dans un maillet, puis le perroquet, il a fui. Son cousin, mais toujours, moi, il est sorti ici, il ne fuit pas. Il dit, oh non, il a fui. Donc, le gars, il passait avec un grand carrefour de commencer au Jassa, là. Et puis, il voit quelqu'un qui l'appelle. Vive Ablo! Vive Ablo! C'est son perroquet là qui l'appelle comme ça. Vive Ablo! Il dit, mais qui me connaît ici? Il est au fond là-bas, son perroquet dans la cage. Puis, il vient avec le perroquet là, il dit, mais toi, tu fais quoi ici? Il dit, mais c'est pas ton cousin, mon gars, qui m'a parlé ici à 2000. Là, il dit, non, faut te calmer. Comme moi, ici, derrière là, il a payé les 2000, puis on partait à la maison. Le gars, il dit, non, faut laisser Ablo. Moi, mais si il est black ici, ici. Il va en portable, mais là, si tu as besoin de téléphone, faut venir, il a fait le tronc. Applaudissez pour le bureau, qu'on sait jamais. Non, le policier travaille bien. Sinon, avant là, oui, avant là, hé, avant là. Au moins, ils ont dit non, faut pas, quand tu roules voiture, il ne faut pas communiquer. Quand ils ont lancé ça nouvellement là, il y a un nouveau policier qui était sorti là, oh, laisse tomber. Il y a un qui était arrêté, car il faut une piste ici. Depuis matin, il est arrêté au feu. Toutes les voitures qui passent, il y a dedans. Si quelqu'un n'est pas très communiqué, il regarde. Vers les 16h là, il y a un gars qui est venu garer sa voiture. Et puis ces voitures là, ils ont mis en vente. Puis il y a le numéro des en vente là en bas. Il posait là, il a regardé le gars là, Yuka. Puis il a sorti son téléphone doucement. Il a regardé le numéro des en vente là. Il a commencé à composer un peu. Quand il a lancé, ça sonnait dans la voiture. Le gars était assis là, il a dit, allez, t'as communiqué. Applaudissez pour l'applaudissez. Vous n'êtes pas bien, hein? Vous m'encouragez, vous me frappez des hauts là-bas.